Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Tout qui s'en a brûlé là finalement. Vous n'avez pas fait avec deux mondes qui viennent contre. Le monde qui doit lucidité, du même pas de guérison à brûlé là. Haïti. C'est un ossement, pas de vienne sous quoi du tout. Nous ne pouvons pas gouverner pour des eaux. La bataille que nous devons mener en Haïti, ce n'est pas contre une autre, mais contre la misère, contre le chômage, contre le grand goût, contre la pauvreté, contre le problème de logement qui vient dans le pays, contre le problème de sous-emploi qui vient dans le pays. C'est contre l'école que nous devons améliorer, contre l'insécurité que nous devons finir avec lui, contre la gang qui nous envahit le pays. C'est ça qui est raison de la bataille là. Et ça, c'est bien comme elle est. Mais je crois que tout le monde qui là, il est même. Tableau, ça a chita devant nous. Et ça, c'est nécessité qui nous fait que nous devons parler ensemble. Il n'y a aucun bénéfice, aucun avantage à refuser le dialogue. Parce que nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, il a appelé à quitter le pouvoir d'une façon ou d'une autre, un jour ou l'autre. Et nous quitter le pouvoir, sauf elle quitter la mauvaise condition, elle va tout le monde bête là, mais au même tout. Donc nous avons intérêt à dialoguer pour barrer ça ou pas arriver. Nous faisons expérience ça en pile pendant 30 dernières années là, et ça crée instabilité politique dans le pays. C'est absence de dialogue ça. C'est absence de compréhension. D'abord, on a dit de nécessité pour nous parler. Il y a des gens qui pensaient, avec la ça parlait de dialogue, son balai en l'air rapide. Non, nous ne pourrions jamais résoudre, nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes si nous ne pas passer par dialogue d'abord. Nous sommes les membres d'une même famille, quelle que soit l'idéologie que nous avons épousée, quel que soit le parti politique que nous avons dans, quelle que soit la religion que nous avons dans, quelle que soit la situation économique que nous avons dans. On est à bord du même bateau. Haïti doit instaurer, ça me dit, un état permanent de dialogue. Dialogue là pour y à qui ça? Parce qu'il y a plus de fois, nous faisons si brasser l'idée de nous, si chute à nous. Mais parfois, c'est pour changer le gouvernement, changer le ministre, changer quelques ministres, changer quelques directeurs généraux. Et puis après, le problème était entier. Mais dialogue, on va parler à qui ça veut dire comme contenu? Ok. Pour moi, nous avons deux phases pour nous faire un dialogue là. Un dialogue en deux phases, Nakati. Une première phase, c'est une phase qui doit aboutir à un accord politique. Dialogue pour un accord politique. Parce que dans l'immédiat, c'est dans un an. Dans 2020, en 2021, qui c'est dans trois mois là à peu près, il faut nous faire élection quand même dans le pays. Un dialogue entre les acteurs politiques pour arriver à un accord politique. Après, on va faire un dialogue national avec les autres secteurs qui passent dans le secteur politique, qui est le secteur patronal, le secteur syndical, le secteur socio-professionnel, etc. On mettait tout le monde ensemble. On dit, allons ensemble travailler pour faire une nouvelle vision d'Haïti. Pour nous éviter que Blanc intervienne dans la caille, là, ou bien quand Blanc prend une décision en place, nous faisons un dialogue immédiat qui peut déboucher sur un accord politique pour créer les conditions pour l'élection, pour renouveler le personnel politique là, dans le calme. On évite les transitions. Même pas la transition là-bas, nous n'avons aucune solution. Si une transition sera faite sous 5 ans, donc c'est un mandat présidentiel. On nous crée les conditions pour faire l'élection. Et le prochain président nous dit, vous avez un mandat de transition. Dans le mandat de transition, ça, on va organiser conférence nationale, comité national ou dialogue national là. Nous allons mettre en place une série de bagailles. On va mettre l'accord. On va mettre l'accord. Mais ça sont au gouvernement de transition. Moi-même, je suis le toujours. Nous avons besoin de transition sur au moins 15 ans. Au moins 3 mandats de présidents différents. Le Conseil a appris avec consternation la disparition des corps du délit dans le cadre du dossier du bâtonnier d'Orval. Il n'y a pas eu de bris de serrure. La porte n'a pas été forcée. Le Conseil est interpellé pour la facilité avec laquelle les corps du délit ont disparu et constate l'absence totale de mesures pour sécuriser le dossier. Les juges et les greffiers ne devaient pas avoir la mémoire courte. La disparition des pièces à conviction est un fait récurrent dans les assassinats de grandes figures de la société dont la voix s'élevait pour éclairer et servir. Nous espérions des autres acteurs du système judiciaire, les greffiers, juges, commissaires du gouvernement, non pas une partialité parce qu'un professionnel de la justice comme eux a été lâchement abattu, mais l'accomplissement consciencieux de leur devoir. Nous savons que le temps est notre pire ennemi. Il faut agir avec la plus grande diligence. Il revient au CSPJ de créer les conditions nécessaires à la réalisation de la justice. Nous exigeons en conséquence que des mesures soient prises
afin de diligenter une enquête pour établir les responsabilités concernant la disparition des pièces du dossier. Cet incident justifie encore plus la demande faite par le Conseil au président de la République de constituer une commission d'enquête internationale. Lundi matin, vers 18h30, mon tocoto M. Chitala, dans le canal, greffier Sauvins Junior Télémac, qui est responsable du grave cabinet d'instruction de fonds, vu pas là, le pas de finance honnête, le pas être le Lédim Moraïen, le grave cabinet d'instruction cambriolé, le Dimé, pièce à conviction dans le dossier, mais d'Orval, le pas. C'est une bonne nouvelle. Immédiatement, je dis greffier, comme ça, je ne vais pas traiter pour compte moi. Tandis que ma voix avec Tassi, je viens de côté. Je dis, madame Lambiro, je viens de côté. Je vais le greffier Tassi dans le téléphone, je vais venir. Quelques minutes plus tard, je vais le côté pour demander, pour expliquer ce qui s'est passé. Je vais le montrer mon classeur qui a un classeur métallique qui a 4 tiroirs, qui vient de là-dedans, qui est à moitié ouvert. Il dit, je vais le venir matin, lundi matin, c'est comme ça que je vais le faire. Je vais le dire. Et là, ma pexique, je dis le greffier, songez, enquêteur de CPJ, il est venu, il a mis accent sur le téléphone, qui était dans la main, bâtonnière, avec l'autre pièce à conviction, il dit oui, par mesure de prudence, c'était séparé, pièce à conviction, il était fait de l'eau. Il dit ça, qu'il y a un téléphone bâtonnier dans le là, il était mis avec une enveloppe qui vient de 1000 dollars américains, il était mis dans l'autre dossier, ça lui était dissimulé, il dit que c'était une petite valise, qui gagne l'autre téléphone, qui gagne SIM card, avec 4 SIM avec une enveloppe qui gagne environ 150 000 gouttes, c'est eux-mêmes qui ont quitté la classe qui est cambriolée. Donc, on a moi-même dit que nous avons fait un juge de paix pour faire constat. C'est comme ça que nous avons le juge Lionel Dragon de présenter sur les lieux. Il doit se poser verbal à toute fin. Comme c'est sous réquisition, le juge de paix a été venu après constat matériel. Moi, j'ai fait une déclaration. On me dit maintenant qui, contexte, nous avons le juge de paix venu sur les lieux. Mais moi-même, mon bail qui t'a attiré l'attention, moi, j'ai dit le tournant pour ce verbal juge de paix. Moi, j'ai dit ça qui étonne nous. Pas gagné aucune trace d'effraction. Ça veut dire, si vous n'avez pas de forcé, quand la pâte brisée, en plus, la bagaille disparaît. Immédiatement, il dit, faut que nous demandions pour ouvrir une enquête. Bon. Nous-mêmes, juge, nous relevons de CSPJ, mais greffier sur notre personnel, nous relevons du ministère de la Justice. C'est comme ça, nous avons rentré en contact immédiatement avec le commissaire gouvernement Kevin Ambourou. Nous avons rentré en contact avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique là-tout. Nous avons été avec les lignes à disposition à prendre un niveau par eux. Dès demain, mon équipe qui est venue pour évaluer les besoins. Le commissaire gouvernement saisit des cas, il fait premier accueil là. Parce que nous-mêmes, comme administrateur du tribunal, nous avons un mot pour nous dire. Par question de sécurité du tribunal, a fait grève de temps en temps à attendre. Il faut au moins une enquête qui ouvre pour déterminer les responsabilités. Chaque monde, a plus de monde qui peut aller dans le tribunal pour y aller. C'est comme ça que le commissaire gouvernement a été le juge de paix aujourd'hui. Il y a des procès verbaux qui dressent. Moi-même, comme moi, j'ai une version que le greffier a été rapporté. Moi. Le greffier chef tribunal a tout libre et version que vous rapportez, ça a dit, ça l'attendait. Le greffier juge notre, il a été tendu, le juge de paix a posé la question. Le commissaire gouvernement, comme chef poursuite pénale, il dit, Jean-Antique 41, code d'instruction criminelle, a dit, le commissaire gouvernement, il est capable de charger les autres OPJ de partir des actes de sa compétence. C'est ça, il dit, il pourra le faire sans désemparer. Il pourra le bailler délégation de pouvoir. À l'enquêteur de CPJO pour capable de mener enquête. Moi, j'ai parlé avec le ministre de la Justice, moi dit dès demain, je vais un rapport balé sur ce qui passait parce que greffier au relevé du ministère, comme mon bâtiment qui abrite le tribunal, ça a relevé du ministère de la Justice. Dès demain, nous avons un rapport qui va le ministre de la Justice là, et nous avons un rapport pour envoyer le président CSPJA parce que le juge dit moi-même comme juge, nous avons relevé de CSPJA. Inspection générale. Une fois qu'il était informé que dans la date 14 pour arriver 15 octobre 2020, l'incident grave ça a été arrivé dans l'hôtel Révélation, Jean l'a toujours fait, il a fait une saisie d'office. Et le dossier a été confié à une commission d'enquête. La commission a déjà commencé le travail. Plusieurs actes d'enquête déjà posés. Pour qu'il y a,
nous avons continué le travail sur le dossier. Les populations ont bien pour informer de temps à autre de ça nous joindre dans le dossier. Une fois que le dossier a terminé, la population à travers la presse a performé exactement qui s'est arrivé. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.